sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never. Hey, salut à tous, c'est Insane, comment allez-vous? Moi je vais bien et j'espère que vous allez tous très très bien les gens. Aujourd'hui, bienvenue du côté obscur, et oui, bienvenue sur la Obscur Clan pour un tout nouveau gameplay commenté. Et un gameplay qui n'est pas des moindres, vous allez le kiffer, je sais d'ores et déjà que vos petits yeux vont briller à la vue de ce gameplay. Aujourd'hui, c'est un monstre qui est aux commandes, c'est Razor qui a réalisé une nucléaire sur la map Combine en mode domination à la NX Shadowclaw, qui est l'une des 5 nouvelles armes disponibles depuis peu sur Black Ops 3. Sur cette Shadowclaw, il a équipé un viseur réflexe et également un petit couteau qui viendra se placer à l'avant de l'arme pour lui permettre de faire des frags au corps à corps. Malheureusement, je ne me souviens plus du nom de cet accessoire, veuillez m'en excuser, cependant je serai totalement pardonné puisqu'aujourd'hui j'ai le plaisir de vous commenter la première nucléaire au monde à la NX Shadowclaw. Et oui, vous l'avez compris, c'est un très très gros gameplay que vous avez sous les yeux aujourd'hui. Alors, dernière petite précision, dans la feed, vous allez voir que quand il fait des frags, ce n'est pas son pseudo qui apparaît, tout simplement parce qu'il a emprunté le compte d'un de ses amis pour pouvoir réaliser ce gameplay, étant donné que lui sur son compte perso il n'a pas la NX Shadowclaw. Donc voilà les amis, tout est dit, on va pouvoir dès maintenant démarrer mon petit sujet. Et oui, j'ai préparé un petit sujet un petit peu en mode freestyle, vous savez bien comment je fonctionne puisque j'ai déjà commenté sur la Obscur Clan. Aujourd'hui on va parler du Call of Duty de 2016, et c'est là que vous allez me dire Insane, c'est peut-être un peu tôt pour en parler, et c'est là que moi je te réponds, et ouais ma gueule peut-être, mais cependant j'ai 2-3 petites infos croustillante qui devrait tout de même vous plaire. Alors pour l'instant, bien entendu, rien de concret puisque ce n'est que le début, c'est bien trop tôt pour en parler, mais j'ai quand même trouvé 2-3 petits trucs sur le net qui pourraient donner des petites pistes et qui pourraient peut-être mener à des théories farfelues que nous inventeraient nos chers fans de la licence. Donc c'est donc officiel, ce Call of Duty qui se cherche encore un sous-titre sortira fin d'année 2016 sur console et PC. Reste maintenant à le savoir s'il s'agira d'une suite à Modern Warfare ou à Ghost, ce qu'on espère pas voir parce que Ghost a quand même créé beaucoup de chaud et de froid et il ne restera pas dans les mémoires comme étant un bon Call of Duty, ou la création d'un nouveau chapitre. Et si on arrêtait avec le futur et qu'on repartait revisiter notre histoire? Et oui les amis, vous le savez sûrement, cette année ce sera Infinity Ward qui sera aux commandes de son développement. Infinity Ward qui, je le rappelle, est à la base de la série et qui avait commencé avec Call of Duty 1, 2 et 3 qui étaient des Call of Duty dans une thématique de Seconde Guerre mondiale. C'est une donnée qui n'échappe à personne. Aujourd'hui, la licence est un faire-valoir d'un futur fantasmé de guerre technologique où les hommes ne sont que des pions pour les méga-corporations qui gouvernent le monde. Pourtant, Infinity Ward aura été l'initiateur de backgrounds chronologiquement antérieurs au décor de ses plus récents jeux avec les premiers Call of Duty, Call of Duty 1 et Call of Duty 2. Le studio aura su s'attirer les grâces des utilisateurs. Cependant, la série des Call of Duty Modern Warfare plus tard alimentera de millions la machine Activision. Infinity Ward tentera le retour tonitruant plus tard avec son fameux Call of Duty Ghost, un jeu alternant chaud et froid et qui ne restera malheureusement pas dans les mémoires comme étant un bon Call of Duty. Quelle voie suivra Infinity Ward pour son prochain opus? La réponse reste encore inconnue. Sachant qu'aujourd'hui, de plus en plus d'éditeurs priorisent le développement sur PC, PS4 et Xbox One. Le jeu d'Activision sera-t-il le premier opus de la série à être totalement pensé pour la next-gen? La réponse très bientôt. Les studios en charge de la licence ont également des cycles de développement plus longs, ce qui leur permet de travailler plus longtemps sur la création de leurs opus. Les paris sont ouverts. Tout ça s'accompagne d'un petit tweet qui a été posté par Infinity Ward le 11 février 2016 et qui dit « Code 2016, maintenant c'est officiel, vous ne pouvez pas attendre pour qu'on puisse vous montrer ce que nous avons mis au point, hashtag appel du devoir, hashtag Call of Duty. » Et oui les amis, ça y est, le Call of Duty de 2016 est officialisé. Est-ce que ce sera un Call of Duty du futur ou est-ce que ce sera un Call of Duty du passé qui va relater l'histoire de notre pays, qui va relater l'histoire de notre monde avec les guerres mondiales? On ne le sait pas encore, on le saura très bientôt les amis. En ce qui concerne le gameplay, bah écoutez, étant donné que j'ai fini avec mon sujet, est-ce que je peux parler un petit peu du gameplay? Eh bien, j'ai
peut-être pas grand chose à dire, hein. Voilà, j'ai tout dit en début de partie. Riser, c'est vraiment un monstre. On ne peut que le remercier de nous avoir réalisé cette nucléaire au NX Shadowclaw, puisque de toute façon, c'est la première nucléaire au monde à être réalisée en solo avec la NX Shadowclaw, sachant que je pense qu'il y a déjà eu des nucléaires, mais elle devait être réalisée en groupe. Donc voilà, bah écoutez, tout est dit, les amis. J'ai plus grand chose à vous dire. J'arrive bientôt à la fin de mon commentary. Du coup, je vais en profiter pour vous faire mes saluts. Et puis, bah, j'espère vous retrouver très très vite pour un tout nouveau gameplay. Si vous l'avez kiffé, n'hésitez pas à le commenter, partager, liker comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la Obscure Clan si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous tout le monde et à bientôt. Bye!